Ce week-end, Marseille accueille l'événement pétanque le plus original de l'année. Ça s'appelle Tu tires ou tu scratches. Et l'idée, c'est de mélanger culture urbaine et ambiance guinguette autour de la pétanque. On est ce soir à l'intermédiaire Place Jean Jaurès à Marseille pour la soirée de lancement de cet événement. Justement, on est là pour rencontrer un peu tout ce petit monde. On a créé ça en 2009 plusieurs étudiants à Arles, puisqu'on faisait nos études là-bas. Et très sincèrement, c'est même parti d'un apéro où on s'était dit moi j'aime le graffiti, toi t'aimes la musique électronique, mais comment on peut y apporter quelque chose un peu de supplémentaire et apporter quelque chose qui fasse se mixer les publics, se mixer les gens et tout ça. Pour ce faire, on est passé en fait par la pétanque en se disant comment on va faire pour toucher un public qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Et forcément, le sport national dans le sud-est, on sait très bien que c'est la pétanque, donc on s'est dit pourquoi pas aller voir un club de boulistes et leur proposer une journée festive autour de la pétanque avec ces gens-là. Parle-moi un peu du déroulé de la journée de samedi. Bon, en gros, ça va être relativement simple. Enfin, il y a une info primordiale qu'il faut que tout le monde retienne, c'est qu'en gros, on a beaucoup de gens qui vont venir sur le terrain de pétanque. Donc en fait, les inscriptions vont commencer à 12h30, mais soyez présents très très tôt parce que les places vont partir vraiment très très vite. Et en gros, ensuite, dans la journée, du coup, on va avoir... Le tournoi de pétanque assez classique à la mêlée, donc c'est-à-dire qu'à la mêlée en fait on demande aux gens de se mélanger, c'est-à-dire qu'on choisit pas avec qui on va jouer en fait. Et à côté de ça, on va avoir 5 DJ qui vont s'enchaîner pendant toute l'après-midi et ensuite on va finir tranquillement sur la finale du tournoi et tout ça quoi. Et on va juste rajouter un point important, c'est qu'en fait nous on a toujours fait un énorme travail sur la nourriture sur le festival, c'est-à-dire que c'est les estaminettes en fait, une des branches on va dire de Tu tires ou tu scratches qui gère la bouffe et le menu va être un pur régal quoi. Voilà. Et le soir il y a un after non il me semble. Et le soir du coup on finit tous à l'Embobineuse où du coup c'est une soirée 8 bits en fait, donc la nouvelle musique électronique en fait barrée avec les coups de Game Boy et tout ça, et en fait il y a Ménéo notamment qui est une superstar de ce milieu là qui vient jouer et ça risque d'être une soirée qui va rester dans les annales, donc il va falloir rester accroché mais on risque de passer un vraiment très bon moment quoi. Voilà. Bon alors je sais pas si ça vous a donné envie mais en tout cas nous oui du coup on sera présent samedi sur l'événement. En attendant, on va aller rencontrer un des partenaires de Tu tires ou tu scratches. Ça s'appelle La Boule Bleue et c'est le plus vieux fabricant de boules de pétanque de Marseille. Ils accusent pas moins de 111 ans d'existence. Pour regarder ce reportage, rendez-vous demain sur citypost.fr.